Merci Nicolas. Aujourd'hui, dans les mondes digitales, le concept de confiance, il est en train de changer. D'abord, on est dans une phase qui s'appelle trust deficit. Ça veut dire qu'on ne fait plus confiance à personne. Alors, la bonne chose de cette trust deficit, c'est qu'on doit faire un reset. C'est un peu le modèle de Davos, du Great Reset, car les modèles de confiance qu'on avait jusqu'à maintenant arrivent à une phase dans laquelle doit être changé. L'avantage, c'est que les nouveaux modèles de confiance qui sont en train de s'établir vont devenir les engins de l'économie du futur. Car la confiance, la cybersécurité, c'est une extension de la confiance numérique, simplement, vont être la base dans laquelle on doit besoin construire. Et l'innovation va se faire sous cette base-là. Et si on ramène ça à notre Trust Valley, et aussi à Genève, canton de Vaud, ailleurs en Suisse, tout le monde veut devenir la Suisse de l'Internet. Quand je vais à Silicon Valley, quand je travaille aux États-Unis, tout le monde me dit, notre ambition, c'est d'être la Suisse de l'Internet. Mais ils ne sont pas Suisses. Ce sont des sociétés qui ont déjà compris que notre modèle de confiance pourrait devenir cette plateforme que le monde a besoin. Aujourd'hui, on rentre dans une phase des monopoles. L'ambition de n'importe quelle plateforme, soit Facebook, soit Twitter ou d'autres, c'est de devenir monopolistique. Et la Suisse, avec notre système des Nations Unies, le fait qu'on a les standards ici à Genève, les standards d'aviation à l'IATA, les standards X509 de l'identité digitale OIT, les standards de la santé OMS, tous ces standards, si on arrive à les mettre dans un modèle de coopération, pourraient devenir la plateforme nécessaire pour faire ce nouveau modèle de confiance. L'opportunité, elle est historique aujourd'hui. Je ne pense pas que ce meeting, on l'aurait pu faire, ça fait 2 ans, ça aurait eu aucun sens. Aujourd'hui, dans les post-Covid, le monde, il est prêt à imaginer un nouveau modèle de confiance. Et on pourrait devenir la Suisse de l'Internet, mais en Suisse et pas ailleurs.